Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV Radio de Vie. Il est 20h35, 37 plutôt, heure locale, heure de Paris. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, bonsoir en tout cas à chacun de vous et merci pour votre présence et votre fidélité, la fidélité que nous avons envers la parole du Seigneur, envers notre Père, notre Dieu. Nous en avons besoin de cette fidélité parce qu'il est fidèle. Nous devons être également fidèles envers lui et aussi envers les uns les autres, parce que c'est il n'y a que comme ça que nous pourrions véritablement avancer. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te confions cette soirée, cette émission également. Conduis-nous par ton esprit, dirige nos cœurs, nos pensées vers ta lumière. Dieu d'Abraham, au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, donc hier, nous avons promis de vous laisser la possibilité de nous appeler pour poser quelques questions en relation avec les enseignements qui sont apportés en ce moment, notamment les enseignements concernant les cavaliers du livre de la Révélation, de l'Apocalypse chapitre 6. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler, il n'y a pas de souci, mais sinon on a parlé hier du deuxième cavalier, de l'ouverture du deuxième sceau. Et on a parlé de guerre. Donc il y a une suite logique. On a d'abord parlé du premier cavalier, c'est-à-dire l'Antéchrist, qu'il venait en tant que conquérant pour conquérir. Et ensuite, hier, c'était la guerre. Donc bien sûr, c'est une suite logique. Donc le cavalier qui vient, le premier cavalier, l'Antéchrist qui vient, et il va bien sûr semer la zizanie, il va y avoir une guerre. Et ensuite, ce soir, on va parler de la famine. On a vu que dans Apocalypse chapitre 4, Jean, l'apôtre du Seigneur, l'apôtre de l'agneau, avait reçu une invitation pour se rendre au ciel. Donc Dieu l'a ravi au ciel. Il a vu l'adoration des anges, des quatre êtres vivants, l'adoration des 24 anciens. Il a vu au chapitre 5 un livre scellé de sept sceaux, le livre que Daniel avait scellé. Et personne, comme on l'a vu, n'était digne d'ouvrir ce livre et de rompre les sceaux et de l'ouvrir pour pouvoir le lire. Et Jean pleurait beaucoup parce que ce livre contenait justement, contenait l'avenir, hein, les événements concernant l'avenir de l'humanité. Et si personne ne pouvait lire ce livre, cela voudrait dire que l'avenir de l'humanité était compromis. Et Jean a beaucoup pleuré parce qu'il s'est senti certainement, n'est-ce pas, dans la confusion. Pas la confusion au sens où il va, n'est-ce pas, perdre son salut, pas du tout. Mais il s'est dit, mais en gros, hein, que... Parce qu'il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Certainement, il se disait, mais Seigneur, quelle confusion, parce qu'un monde sans avenir est un monde confus. Un homme sans avenir, sans espérance, c'est un homme qui peut malheureusement se faire du mal, se suicider. Donc, il était un peu perplexe, il était dans la douleur. Et là, il va pleurer. Et on va lui dire justement, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sceaux. Voilà, donc... les pleurs de Jean, comme on l'a compris, hein, ce n'étaient pas des pleurs suite à l'adoration qu'il rendait au Seigneur, à la louange qu'il rendait au Seigneur, et pas du tout. C'était des pleurs de souffrance, hein, des pleurs d'incertitude, et des pleurs de la confusion, parce qu'il devait se dire, mais Seigneur, mais si personne ne peut ouvrir ce livre, comment allons-nous faire pour connaître notre destinée, notre avenir? Et l'agneau, il vient, il prend ce livre, il ouvre. Et dans le chapitre 6, on va nous parler justement de l'ouverture des sceaux. Voilà. Donc, de l'ouverture des sceaux. Et c'est ce que nous allons justement faire. Nous allons lire le chapitre 6 au verset... les versets 5 et 6. Voilà, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonjour Chora, c'est Laurence. Bonsoir Laurence. En ce moment, j'appelle pas mal. Je suis en train de lire
effectivement Apocalypse, et j'aurais voulu savoir exactement par rapport au sceau et aux coupes, le parallèle justement qu'on peut faire par rapport aux sceaux qui sont ouverts et les coupes après qui sont déversées. Ok, en fait, les sceaux, les trompettes et... Oui, les trompettes aussi, oui. Voilà, il y a d'abord l'ouverture des sceaux, ensuite il y a les trompettes et les coupes. En fait, les trois se chevauchent, hein. Voilà, parce que comme vous le savez, comme les frères et sœurs le savent, comme tu le sais aussi, certainement, donc il est question ici des prophéties bibliques, hein, donc, et les prophéties bibliques ont plusieurs accomplissements. Oui, tout à fait. Par exemple, on va voir que certains fléaux dont l'humanité sont frappés hein, au retentissement de certaines trompettes, eh bien, ces fléaux, on les a déjà vécus dans le passé, on le vit aujourd'hui, on le vivra demain. Donc, c'est vrai qu'il y a à la fois une suite logique, une chronologie. Et voilà, donc l'ouverture des sceaux d'abord, ensuite les trompettes et bien sûr les coupes. Mais en tout cas, les sceaux et les trompettes, c'est chevauche. Par contre, les coupes seront vraiment déversées pendant la grande tribulation. Ah d'accord, très bien. Oui, c'est ce que je me demandais justement. Parce que je suis en train du coup de relire tout Apocalypse, et c'est vrai qu'on a besoin quand même de l'esprit nous éclaire, mais c'est vrai que le travail que tu fais en ce moment est important aussi pour nous, justement, parce que on a besoin d'être éclairé sur pas mal de choses, hein. C'est quand même assez complexe. Mmh. Et j'étais en train de penser en même temps que tu parlais des prophéties, donc ce qui était, qui sont et qui vont venir, ça va extrêmement bien avec papa qui lui effectivement est le Dieu qui est et qui n'a pas de temps passé, présent, futur, il est dans le temps présent. C'est ça. Et ça c'est très révélateur aussi. En fait, il ne faut pas rester figé, quoi. Il ne faut pas rester figé. De faire des recherches en hébreu, et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller voir à la synagogue de chez moi. Donc j'ai appelé, très naïvement, la synagogue de chez moi, pour savoir si je pouvais voir avec le responsable des cours d'hébreu. Ou voir avec lui justement pour mieux appréhender la mentalité hébraïque et puis pour voir, c'est mieux d'aller voir des spécialistes, hein, plutôt que sur l'ordinateur, c'est pas toujours évident. Eh bien j'ai appris quelque chose, je ne sais pas, je pense peut-être que tu le sais, que de nombreux responsables de synagogues lisent l'hébreu ancien, tiens-toi bien, sans le comprendre. Oui. J'étais sidérée. Ça m'a sidérée. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends mieux pourquoi ils ne se convertissent pas, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais en fait, c'est ce que le Seigneur, effectivement, disait aux apôtres, hein, aux disciples, et notamment aux pharisiens, en disant... Comment dire, en fait, c'est une prophétie d'Ésaïe 28, hein, tout simplement, où Dieu disait que voilà, leurs yeux sont aveuglés, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Voilà, oui, tout ça m'est revenu. Voilà. Mais ils lisent comme nous, quand on apprenait à l'école des chants dans d'autres langues, sans comprendre la langue, et ben, ils lisent l'hébreu ancien sans comprendre du tout ce qu'ils lisent. Mmh. Ça m'a, honnêtement, j'en suis encore pas revenue. Et ils sont très fermés aussi. Hein. C'est vraiment, on ressent le caractère. Quand papa dit qu'ils ont le cou raide, ça m'est revenu aussi immédiatement en mémoire. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, merci pour les explications par rapport à Apocalypse. Mais vraiment, je suis ça avec.
Avec grand intérêt, parce que je pense qu'on va tous, beaucoup, beaucoup d'entre nous vont être éclairés. Et merci beaucoup d'abord à papa de t'avoir mis ça à cœur. Et merci à toi d'avoir écouté papa. Merci encore. Que Dieu soit Au béni. revoir, Chora. Toute la gloire revient au Seigneur. Merci Seigneur, en tout cas. Voilà, mes amis. Et donc, nous sommes dans le chapitre 6 d'Apocalypse, comme vous l'avez compris, hein, le livre scellé était ce livre contenait justement les visions, les révélations que Dieu avait données à Daniel. Et il a été scellé pour notre temps, pour notre période, pour la fin de temps. Et pour les derniers jours, or les derniers jours, comme vous le savez certainement aussi, ont commencé avec la naissance de l'Église il y a 2000 ans, quand Pierre va annoncer l'évangile lors de la Pentecôte en disant, c'est ici la prophétie que Joël le prophète a donnée en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, Yahweh, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et donc, nous qui sommes membres de l'Ecclésia, à nous qui sommes membres de l'Ecclésia, l'opportunité est donnée, la grâce a été faite pour comprendre ces choses-là. Et comprendre les sceaux, hein, les sept sceaux, c'est comprendre son destin, son avenir. Parce que Pierre nous dit justement, mes amis, que nous devons prêter attention à la parole des prophètes. Pas à la parole des gens, pas aux critiques des hommes qui sont souvent des critiques infondées, mais de se baser sur la parole prophétique parce que cette parole, elle est comme une lampe qui brille dans un monde obscur. Elle est censée nous éclairer, elle est censée nous aider dans notre marche. Voilà. Je crois que nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir mon frère, je suis Repretto. Bonsoir. Oui, en fait, c'était pour poser une question par rapport à l'Apocalypse, parce que j'ai un petit flou par rapport à l'enlèvement. C'est-à-dire que, d'après les enseignements que j'avais suivis de vous, vous disiez comme quoi que l'Église, avant de partir, les morts vont ressusciter avec un corps glorieux, et nous les vivants qui sommes restés, nous allons revêtir ce corps glorieux, et nous allons aller sur les nuées avec le Seigneur. Que pendant la grande tribulation, il y allait avoir des gens qui allaient se convertir. Et nous, on va entrer dans le millénium avec un corps glorieux. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir ceux qui sont sortis de la grande tribulation, avec quel corps qu'ils vont rentrer en fait. Ils vont rentrer dans le royaume ainsi que les Hébreux, parce que tout Israël sera sauvé au retour visible du Mashiach. Donc, dans le royaume millénaire, il y aura trois catégories d'individus. La première catégorie, c'est, n'est-ce pas, l'Église. Des croyants en Christ, morts et ressuscités, qui auront vécu la résurrection pour ceux qui sont décédés en Christ. Et l'enlèvement pour ceux qui seraient en vie, hein, vivants, lors du retour de Yeshua pour l'Église. On aura des corps glorieux, comme Paul le dit dans Philippiens. Donc je vois qu'on va peut-être procéder par questions-réponses un peu ce soir, parce qu'avec de tels enseignements, il faut savoir parfois faire une pause et puis permettre aux frères et sœurs de poser des questions. Donc on va prendre Philippiens. On va répondre avec l'Évangile, avec la parole. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 2, à partir du verset 20, pardon. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps, n'est-ce pas, d'humiliation, ou notre corps vil, pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toutes choses. Donc, Paul nous apprend par l'Esprit que nous aurons le même corps que Christ a eu après sa résurrection. Et quel type de corps notre Seigneur avait-il? Nous sommes dans Luc chapitre 24 et au verset à partir du verset 37. À partir du verset 36, comme il tenait ce discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Mais eux, tout terrifiés et effrayés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez.
car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme de joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Donc on apprend que Jésus, quand il est ressuscité, il avait un corps glorieux, au point où ses disciples n'arrivaient pas à le reconnaître. Et ensuite, on apprend qu'il avait un corps comme vous et moi, mais un corps glorifié, glorieux, et composé de chair, d'os, de sang, et aussi des organes, n'est-ce pas, vitaux, tels que l'estomac, parce qu'il a mangé, n'est-ce pas? Donc il avait un corps glorieux, un corps comme celui que Adam avait avant sa chute, mais encore mieux, parce que c'est un corps incorruptible, alors que Adam, avant sa chute, il était parfait, mais il était corruptible. La preuve, il est tombé dans le péché. Mais là, nous aurons des corps incorruptibles selon 1 Corinthiens 15. Et c'est ce corps-là, hein, ce corps glorieux, que nous aurons après la résurrection, après l'enlèvement de l'Église. Et nous allons, nous, membres de l'Église, faire partie, rentrer dans le royaume millénaire avec ce corps. Donc on ne pourra plus être séduit. On ne pourra plus avoir ne serait-ce qu'une once de pensées impures. Fini tout ça. Et on va manger, bien évidemment, comme le Seigneur a mangé. Ça, c'est la première catégorie des personnes qui vont faire partie du royaume millénaire. La deuxième catégorie, ce sont des Hébreux. Et nous sommes dans Romains, au chapitre 11. Et nous lirons à partir du verset... À partir du verset 26, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les infidélités. » Voilà, donc là, on nous dit que tout Israël sera sauvé. Sachez qu'il reviendra, Yeshua reviendra visiblement et physiquement, n'est-ce pas? Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il revient physiquement pour Israël parce qu'il avait promis à David, de restaurer hein, son royaume et d'établir un royaume pendant des années et des années sur terre, un royaume millénaire, un royaume éternel, glorieux. Donc il va revenir pour restaurer Israël qui va être, n'est-ce pas, qui va devenir un grand royaume sur terre et Jérusalem sera la capitale du royaume millénaire de Yeshua, le Messie. Et là, les Hébreux qui seront sauvés, selon Zacharie, chapitre 12, parce que quand Yeshua va revenir, ils vont le reconnaître comme étant le Messie. Ils vont pleurer, n'est-ce pas? Et Zacharie nous le dit ici, dans le chapitre 12. Chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 10. « Je répandrai sur la maison de David » et sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Et en ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et les femmes de cette maison-là à part, la famille de la maison de Nathan à part et les femmes de cette maison-là à part, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il va y avoir une conversion nationale parce que Dieu promet de répandre l'esprit de grâce, n'est-ce pas, lorsque Yeshua va revenir. Donc il va répandre l'esprit de grâce, il y aura une effusion de l'esprit, un réveil national en Israël. Et là, ils vont, n'est-ce pas, être sauvés. Et ils vont rentrer hein, comme ça, avec leurs corps normaux. C'est-à-dire pas des corps glorieux, mais des corps normaux. Comme ça sera la même effusion que dans Actes 2. Ils étaient remplis de l'esprit, mais ils avaient toujours leurs corps normaux. Hein, les apôtres, les premiers chrétiens, les 120 galiléens. Donc là, ils vont rentrer dans le royaume avec leurs corps normaux. Et ils vont continuer pendant le millénium à avoir des enfants. D'accord. Et comme la troisième catégorie de personnes... Qui rentrera aussi, hein, la troisième catégorie qui va rentrer dans le royaume, et c'est
Ce sont les convertis de la grande tribulation, hein, selon Apocalypse chapitre 7. Voilà, où on nous dit justement dans le chapitre 7. Et après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre animaux, et ils se prosternèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle de siècle, ou d'âge en âge. Amen. » Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Donc on voit que ces personnes-là seront sauvées par le sang de l'agneau. Or, quand on parle du sang de l'agneau, on parle de la nouvelle alliance. Or, quand aussi on parle de la nouvelle alliance, on parle de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu dit, je mettrai ma parole dans leur esprit. Hein, je répandrai sur eux mon esprit. Donc, ils sont sauvés par grâce. Donc, la grâce ne s'arrêtera pas avec l'enlèvement. La grâce continuera à être accordée aux hommes parce que Dieu veut sauver les hommes. Donc, ces personnes-là, de la grande tribulation, ne seront pas sauvées par leurs propres œuvres, comme on vous l'a enseigné, qu'ils vont être sauvés par eux-mêmes. Personne ne peut se sauver de lui-même. Personne ne peut se sauver lui-même. Et le Seigneur a dit aux apôtres qu'il est impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes. Pierre a posé la question au Seigneur, et qui sera-t-il, qui pourra être sauvé? Et le Seigneur a dit, cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc on voit bien que ce sont des hommes et des femmes qui vont traverser la grande tribulation, parce qu'il y aura des conversions. Il y aura certainement aussi quelques chrétiens charnels qui vont rester et qui vont se repentir. Et Dieu va les sauver par le sang de l'agneau, donc la croix, comme nous autres. Et ces hommes et ces femmes seront bien sûr persécutés par l'Antichrist. Et quand Yeshua va revenir, ceux qui seront morts, selon Apocalypse 20, ils vont être ressuscités. D'accord ? Ils vont être ressuscités. Et il y aura également la résurrection lors du retour visible de Yeshua. Il y aura aussi la résurrection de tous les croyants qui sont morts en Dieu. C'est-à-dire Moïse, bien avant Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, et Noé, tout ça, Abel. Ils vont être ressuscités quand Yeshua va revenir visiblement pour établir le millénium. Et ces ressuscités-là auront aussi les mêmes corps que nous parce qu'ils auront les corps glorieux. D'accord. Parce qu'ils auront connu la résurrection. Je dirais même qu'il y aura quatre catégories. Première catégorie, c'est l'Église ressuscitée et enlevée avec des corps glorieux. Deuxième catégorie, c'est Israël avec des corps normaux. Mm-hmm. Troisième catégorie, ce sont les ressuscités de la grande tribulation et de tout le temps, hein, les croyants de tout le temps. Et quatrième catégorie, ce sont les convertis de la grande tribulation qui vont rentrer avec leur corps normaux parce qu'ils vont rentrer vivants comme ça. Et Israël et les convertis de la grande tribulation auront des corps normaux et continueront à avoir des enfants. D'accord. Et c'est pour cela, Ésaïe 11, justement, Ésaïe 11, et je crois que toutes ces réponses-là, on va les couper, en fait, des petites coupures et diffuser rapidement pour éclairer les frères et sœurs. Dans Ésaïe 11, nous avons des informations là-dessus. Regardez. Mais il sortira un rameau du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il est question du royaume ici. On nous parle d'un arbre qui sortira. Et le royaume, selon la parabole de la semence... Du grain de moutarde dans Marc 4. Le royaume est aussi symbolisé par les arbres, par un arbre. Et là, on nous dit que dans ce royaume-là, et au verset 5, la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs.
Le loup habitera avec l'agneau et le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La jeune vache, donc on voit ici, on parle du petit enfant, donc il y aura des enfants dans le royaume. La jeune vache paîtra avec l'ours, leurs petits auront un même gîte. On voit même les animaux vont continuer à avoir des enfants, hein, vont continuer à mettre bas, à avoir des petits. Et le nourrisson se battra sur l'antre de l'aspic. Donc il y aura des nourrissons, il y aura des bébés. D'accord. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne de la vipère. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. D'accord. Donc on voit bien qu'il y aura des enfants, il y aura des naissances, il y aura des nourrissons, tout ça. Et nous qui aurons connu la résurrection, l'enlèvement, nous aurons des corps comme les anges. Hein, comme le Seigneur dit, ceux de la résurrection ne pourront avoir ne pourront pas se marier parce qu'ils seront comme les anges. Mais par contre, les autres continueront à avoir des enfants. D'accord. Suite à cela, j'ai deux petites questions. En fait, la première question, comme tu viens d'expliquer par rapport aux Juifs qui vont, comment dirais-je, reconnaître le Messie, eux, ils vont entrer avec leurs corps normaux. Donc, ça veut dire que quand Satan va être relâché, ils vont être séduits aussi parce qu'il y aura la bataille de Gog et Magog. Bien sûr. En fait, ceux qui vont être séduits, donc la conclusion, elle est facile à faire. Oui. Ces enfants qui naîtront dans le royaume millénaire n'auront connu ni la séduction, ni la tentation, ni Satan, ni les démons. Et ils n'auront pas connu le choix, par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle, entre le bien et le mal. Donc maintenant, il faudrait surtout pas qu'ils disent un jour à notre Dieu qui est juste, nous n'avons pas, n'est-ce pas, on nous a imposé les choses. Donc il va falloir effectivement qu'ils connaissent comme nous, parce que Dieu est juste, hein, comme nous, il faudra qu'ils passent par les tribulations, par les tentations, tout ça. Et Dieu ne tente personne, mais il faut qu'ils passent par là. C'est pour cela que quand Satan sera relâché, nous dit la parole, 1000 ans après, et son enfermement, ben, il va séduire beaucoup de gens encore. Donc on suppose que ce sont ces personnes-là qui naîtront dans le royaume ou qui seront rentrées dans ce royaume ayant leurs corps normaux. Ok, donc je pense que par rapport à la deuxième question, je crois que j'ai la réponse du fait que comme Satan sera lié, les démons seront liés aussi, il n'y aura pas de mort en fait, il n'y aura pas la mort pendant les 1000 ans de règne de Christ sur la terre. Non, pas du tout, parce que pendant 1000 ans, c'est 1000 ans de bonheur, 1000 ans de joie, de paix, tout ça, donc il n'y aura pas la mort. Amen. En tout cas, merci pour cette explication explicite. Merci mon frère Choua, et sois encouragé. Que Dieu soit béni frère. Allez, au revoir. Voilà, donc je pense qu'on va procéder comme ça par question-réponse, hein, parce que il y a des besoins de comprendre la prophétie biblique, de comprendre le futur de l'humanité. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs. Nous avons vraiment intérêt à ne pas perdre notre temps, hein, dans les histoires, dans les cancans, tout ça. Il faut vraiment racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent appeler. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours le faire, pas de problème. Ok, gloire à Dieu. Alors, on fait une pause de quelques minutes et on revient. Merci.